يمكنك مكشخ وليدها خوسيم ترجي موبيل. تربح في مكالماتك وتشجع جمعيتك مع العرض الجديد متاع ترجي موبيل. تمتع ب 16 مرة قيمة الشحن مدى الحياة. على كل عملية شحن بخمسة دينارات يولي عندك في رصيدك 80 دينار صالحين نحو كل المشغلين. كان عندك ديجا نمرو ترجي موبيل، اطلب مجانا نجمة 202 دياز وتمتع بالعرض الجديد. ترجي موبيل مكشخ وعليك الكلام. Donc, Monsieur Anigo, hier, vous avez dirigé votre première séance d'entraînement. Peut-on savoir quelles étaient vos premières impressions sur le groupe, l'effectif et l'ambiance à l'intérieur du parc? Bon, on va commencer par l'ambiance à l'extérieur du parc. À l'extérieur du parc, j'ai senti beaucoup d'engouement. J'ai senti que c'était des gens passionnés autour de leur équipe et que, voilà, c'est, je vous le redis, ça ressemble énormément à Marseille. À Marseille, on a tous les entraînements, autant de monde. Et quelquefois, il faut même fermer parce qu'il y a trop de monde. Et là, j'ai pas été dépaysé. J'ai eu l'impression que je connaissais déjà ça. Et moi, j'aime bien parce que quand il y a du monde autour des terrains, ça motive encore plus les joueurs. Ça les oblige à être bons. Et comme nous, on est capable de mettre beaucoup de pression aussi à nos propres joueurs, parce que c'est le but pour Bernard et pour moi, c'est d'aller chercher 100-150% pendant la séance. Et le jour du match, ça va être pareil. Et celui qui sera pas capable de donner ça, malheureusement, restera chez lui parce que sur un an on est obligé d'aller chercher tout ce qu'ils ont dans les tripes et ce que je pense de l'effectif, ce que j'ai vu là, il y a de bons joueurs, il y a des joueurs intelligents, il y a des joueurs d'expérience et encore il manque presque 50% ou 55% de l'effectif qui va arriver entre les internationaux, les blessés et les recrues. Donc quand on sera complet vraiment, je crois qu'on est armé pour faire un très bon championnat. Monsieur Anigo, que connaissez-vous de l'Espérance avant d'avoir été contacté? Ah, je vais vous dire quelque chose. Ce que je connais de l'Espérance, je connais que j'en ai pris 4 un jour quand j'avais 20 ans. Je suis venu jouer contre l'Espérance de Tunis en 79-80. Et nous, on avait une très grosse équipe qui était composée d'internationaux. Et on est venu ici un peu comme des touristes. On en a pris 4, vite fait, bien fait. Et pour le coup, on a ramené Temim avec nous parce qu'il avait fait un grand match. Donc voilà, c'était ma première approche avec l'Espérance de Tunis. Ça devait être prédestiné parce que c'est, en réalité, c'est peut-être le seul club que je connaissais vraiment en Tunisie. Parce que c'est, pour moi, c'était le plus grand club de Tunis, quoi, de Tunisie. Un petit mot pour le public espérantiste. Je vois que ça vous plaît ce que j'ai appris. Oui, Taraji Yadaoula, je pense que c'est vraiment le terme approprié pour ce club.